Salut tout le monde, ça c'est les Ponces, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy Remake, enfin Final Fantasy 7 pour être bien précis, Remake. Donc l'émission qu'on m'a confiée, j'ai tout fini, hein, j'ai la majorité finie. Hop, ça c'est un point que j'ai mis sans faire exprès. Donc avant de passer à l'étape suivante, bah il faut que je regarde encore s'il y a d'autres trucs à faire. M'a expliqué ce que t'as fait pour lui, tu sais. Merci d'être intervenu. Je dois reconnaître que t'es vraiment efficace. Je compte sur toi pour continuer à nous apporter ton aide. À vrai dire, une autre créature nous pose problème. Il s'agit d'un chien de garde particulièrement féroce. Tu vois le genre? Un de ces chiens de la Shinra. Il aurait été aperçu dans l'avenue des débris. Je peux compter sur toi? Bien sûr. Je vais m'en occuper. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Ce molosse est beaucoup trop dangereux pour nous. Bon courage. J'ai pas besoin de courage parce que je suis très confiant. Ici, il y a un petit garçon qui est là. Je sais pas à quoi il sert. Vraiment, je sais pas à quoi il sert. Mais il faut quand même le voir parce qu'il y a des moments où il y a un truc à faire. Et c'est important. Mais je vais le voir quand même. Surtout, n'oubliez pas d'équiper votre arme de la Materia Analyse. Cela vous permet de collecter les données de vos adversaires. Ok. Donc, du coup, le défi. Je regarde sur ma carte pour être sûr. Donc, c'est pas loin, c'est juste devant. Rebonjour, c'est encore moi. Alors, le chien de garde, vous êtes où les petits chiens de garde? Je vais voir vers la droite. Je vais voir où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont aussi féroces qu'il y en a l'air? On verra bien. Hop, ça c'est important. Du coup, ils sont où? Ils sont où? Allez, on court, on court, on court, on court. Hop. Après, vous avez plusieurs missions dans le même secteur. Hein. C'est des fois, on passe des heures et des heures au même endroit. C'est ça plutôt que, enfin, c'est pas que c'est selon, mais à force de voir la même chose, des fois, bah, c'est. Ah, je me suis trompé de chemin. Il faut que je revienne derrière. Il faut que je revienne derrière. Je me suis trompé de chemin, mais je vais retrouver mon chemin. Allez, hop, je pense qu'il faut tourner par ici. Ah, c'est par là. C'est par ici, je suis sûr et certain. C'est par ici. Non, c'est pas par ici. Attendez, que je sois bien... ah, mais non. Je me suis encore trompé. J'ai retrouvé mon chemin. Donc là, je regarde encore sur la carte, je continue tout droit. Et ensuite, je prends à droite. Une fois que je prends à droite, je vais retrouver... Le petit chien, donc c'est par là. J'espère que je ne suis pas retourné au même endroit ici. Est-ce qu'ils sont par là? Ah, ben c'est bon, ils sont par là. Normalement, ils sont par là, mais j'étais ici tout à l'heure. Comment ça se fait que je les ai pas vus? Ah, c'est bon. Petit, viens par là. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont un petit peu confiants là. Donc là, je fais sur triangle pour bien le viser. Là, ils vont s'enfuir. Ok, on prend ça. Le chien de garde, il est parti, il s'est enfui. Je le poursuis. On le poursuit parce qu'il y en a deux. Ça, c'est pas cassé. Ça, c'est pas cassé non plus, et ça non plus. Donc, entre temps, je profite d'avoir le pierre précieux. Et tu peux pas tirer dessus, hein? Tu peux pas tirer dessus? Il est très excité, alors attention. Non, oui, il t'a pas mordu, c'est étonnant ça. Hop, allez, il doit être par là. Il doit être par ici. Ah, il est là. Vas-y. On le vise. Hop. Ah, il est rapide, hein. Vas-y. On va terminer ou pas? Allez, on va terminer. Hop, comme ça. Voilà, c'est terminé. C'est fait. Ça n'a pas pris beaucoup de temps.
Non, je vais pas y aller tout de suite parce qu'il faut que je casse les caisses. Donc maintenant, je pense que vous avez compris. Hein. Je suis pas très pressé. Je sais que c'est très long. Je sais que ça va être très long, mais je suis pas très pressé. Donc maintenant que je l'ai terminé, je vais retourner aux emplacements du monsieur pour lui dire que j'ai fait la mission qu'il a demandé. Et je demande d'être payé, quoi. Pour avoir plus de thunes. Donc il a fait un effort, il est venu avec moi. Et voilà, il est là. Vous nous en avez débarrassé ? Ah, merci beaucoup. À mon avis, c'est un nouveau spécimen qui s'est enfui de la Shinra. Depuis quand est-ce qu'il pose problème exactement ? Je vois. Les premiers signalements ont commencé à nous parvenir ce matin. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Se pourrait-il que la Shinra ait construit un laboratoire et qu'il soit juste en dessous du bidonville du secteur 7 ? Je sais pas. Ça me dit rien en tout cas. J'ai seulement essayé de voir ce que tu savais. Je te prie de m'excuser. C'est une grande organisation. Il y a beaucoup de choses que j'ignore. Ouais, t'as raison. T'as abattu ce maudit chien, c'est tout ce qui compte à mon avis. Et ouais, j'ai abattu ce maudit chien comme il a dit. Mais bon, il a dit des choses que plus vraies, on va dire. Quelque part, c'est vrai, mais on va découvrir ça plus tard, si on aura l'occasion. En attendant, je vous invite de cliquer sur like, de faire partager. Et puis toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer la petite cloche. Hein. Et n'oublie pas aussi de faire partager la vidéo. C'est important et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis. Ciao ciao.